Sea Dads. Salut les amis, Sam et Tisté, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un jeu de la Ludungare 35 qui s'est déroulé du 15 au 18 avril 2016 et dont le thème était Shapeshift, qui signifie métamorphose. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo de présentation, mais je vous redonne les infos de base parce que vous regardez pas forcément toutes les vidéos, hein, ce qui paraît logique. Donc, The Maître D, qui a été créé par l'équipe de Sea Dads en catégorie Jam, et qui d'ailleurs a fini premier de sa catégorie. Donc, un Maître D, c'est un chef de salle, c'est en gros celui qui gère tous les serveurs et qui place les clients. Et donc voilà, l'histoire se passe dans une brasserie française. Qu'est-ce que je peux ajouter plus? Bon, on va voir directement en jeu. Ah oui, je joue à la version post-jam. Dans la version de base, le héros qu'on va appeler Jean-Bernard pour éviter que je répète à chaque fois Maître D. Donc voilà, Jean-Bernard n'avait pas de bras. Donc j'ai vachement de mal avec les contrôles. Parce que voilà. D'accord, ok. C'est pas du tout pratique, quoi. En tout cas pour moi, ok. Tac. Très bien. Très bien. Hop. Vous voyez un peu ce cliché des bouteilles de vin, tout ça. Non, je me tais. Mais oui, du coup les personnages parlent en français avec un bel accent anglais. You are too, too kind. Ah, pas forcément en fait. Très bien. Voilà, lui il parle en tout cas. Ah. Tac, tac. Donc pour l'instant ça va, pas trop compliqué. Mais je t'ai pas placé tout à l'heure, toi? Mais on se ressemble tous, nous les Français. On se ressemble tous, nous autres les Français. Sacré bleu. Mais oh. Oh mon dieu. Ah, ce fake de la mort. Bah c'est lourd, hein, non. Plus lourd qu'une grosse femme avec son sac à main qui doit peser 30 kilos. Donc oui, hein, de toute façon j'ai du mal parce que je préfère me diriger avec les flèches, mais les contrôles sont limités parce que les flèches servent à autre chose. Voilà. Donc on va faire avec, hein. Magnifique. Magnifique. By Jove. Ah. Merde. Je suis nul. Mais je prends pas d'élan, c'est horrible quoi. C'est... Ah, merde. Mais non. Ah, j'ai vraiment du mal. Hop. Voilà. Hop. S'il galère déjà maintenant, qu'est-ce que ça va être après, hein? Ah bah voilà, c'est là où ça va devenir intéressant. Donc, voilà, les flèches servent à ça, voilà, à faire un corps horrible. Alors... Sacré bleu. Ouais, mais comment je fais lui? Ah si. Ah, attends. C'est parce que je suis assez limité. Mais non. Pourquoi il part pas avec la tête? Parce que là, ça serait génial ça. Et non. Hop. Bonjour. Je suis coincé. Ah, j'ai réussi à me... Ah, je supporte pas, c'est pas pratique. Bon. Espèce de petit nain de merde, là. Hé ! Attends, reviens. On a triché, je crois. Merci. En fait, j'en sais rien. Oh, lui, c'est bon. Lui, il parle français. Je l'aime bien. Donc... Non! Ah merde! Fais chier! Ah mais j'en chie vraiment avec ça. En fait, mais je suis con. Ah bah non, je suis pas con. Attends, si.
Est-ce qu'on peut arriver d'une façon ou d'une autre à me faire, voilà, aller de ce côté-là. Ensuite, je ramasse lui. Je ramasse lui. Et je peux pas... Ah si, je peux marcher. Voilà. Je ressemble à rien. Bah non, mais reviens. J'ai du mal. Voilà. Hop. Merci mille fois. Voilà. Faut pas m'en vouloir, hein. Je suis vraiment une daube. J'ai peur que ça ne marche pas. J'ai peur là, vous voyez. Vous sentez la peur en moi. Hop. Et si je fais ça. Mais oui. Voilà, je ne sais pas, c'était bizarre. Lotion. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est parce que j'ai quand même... je suppose que j'ai des applications limitées. Bah allez. C'est horrible. Horrible, c'est difficile. Hop. Ah là là, ça veut dire qu'il y a quand même un niveau de difficulté apparent. Voilà. Bonjour. Mais comment je fais là? Ah oui, je sais. Comment on saute? Comment? Non, je voulais pas faire ça. Vous me faites chier. Voilà. Non, mais arrête de bouger. C'est dur. C'est dur. Je vais y arriver. Donc, on fait ça. Est-ce que je peux aller? Oui, je peux aller plus haut. On bouge légèrement. On saute et hop. Et voilà. Hein? Magnifique. Donc, hop. Ça ne ressemble à rien. Ce pauvre Jean-Bernard. Donc, hop. Voilà. Magnifique. Tac. Magnifique. Ah mais les lotions ça complique encore plus le jeu quoi. Déjà que je suis une merde de base. Bonjour. Je ne ressemble à rien. Attendez, hop. Ah, je vais être obligée de faire le saut de la mort. Attendez. Hop. Yeah. Ouais, vous pouvez rire, je suis pas habituée à ce genre de contrôle. Donc là c'est pareil, on va sauter, hop. Il doit avoir mal à la tête à force quand même. On dirait qu'il se dégonfle à chaque fois. Donc tac. Voilà, hein, le thème de la métamorphose, je suppose, j'ai pas besoin de vous l'expliquer là, hein, il est évident. Quand même. Merde, comment on va faire ici? Parce que moi je veux bien récupérer ce mec. By Jove. Ensuite on fait ça. Est-ce que il faut que je le reprenne, voilà. Hop. Bah allez quoi. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon attendez. Hop. Voilà. Et après, est-ce qu'on peut se bouger? Non, je peux pas parce que mes jambes, elles gênent. Ah oui, attendez. Je vais essayer un truc. Non, je peux pas. Wow! J'ai réussi! C'était à chier, mais j'ai réussi. Hop! Lotion, viens à moi! Très bien. Oh là là. Donc c'est bien foutu quand même, hein. C'est bien foutu, la difficulté augmente au fur et à mesure, tout ça. Il y a juste, ouais, comme je vous dis, les contrôles auxquels je ne suis absolument pas habitué. Putain, le vieux bruit de merde que ça fait quand tu prends une lotion! Yap! Ok.
Ah, n'empêche, il doit se retrouver vite avec un torticolis, lui. Hein. Ça fait très penser à Tetris, sa forme, là. Wow! J'ai failli me prendre des pics avec mes conneries à te battre. Bon, moi je dis... On se la joue Géronimo. Bah oui, ça marche. J'arrive à rien. Surtout qu'à la fin, il ressemble plus à rien quand même. Ça, c'est un des... Non, j'allais dire c'est un des ancêtres de Luffy, mais en fait, c'est plus un des descendants. En fait, ça dépend à quelle époque ça se passe, tout ça. Mais bon, je pense que c'est assez moderne. Hop. On va d'abord aller chercher toutes les lotions, histoire de faciliter un peu le... Non, je peux... Attends. Hop. Allez. Allez, allez, allez. Hop. Voilà. Ça, c'est bien. Viens là, petit con. Ah, je peux pas attendre. Hop. Ouais, mais en fait, non, je vais plus te prendre, voilà, comme ça. Te prendre. On a la même taille, toi et moi. On a fait pour être ensemble. Comment je vais faire, là? Comment je vais faire? C'est toujours tellement compliqué de s'occuper des clients. On va refaire la même que tout à l'heure, là. Ce coup de pute... Ah ouais, mais ce coup de pute que je ne peux pas refaire, en fait. Ah... En fait, c'est con, je fais ça. Ah bah oui, mais je me retrouve dans la même situation de merde. Non, pas exactement, parce que je fais ça. Ensuite, je le perds, voilà, je le remets là. Ensuite, je fais ça. Je remonte. Bah, en fait, je suis con, à chaque fois, je me complique la vie alors que... Alors que c'est tout simple. Ah, j'aime pas ça. Merci. Bah, c'est ça, remercie-moi. Tous les efforts que je fais. Putain, mais qu'est-ce que vous foutez là-haut, les mecs? Enfin, le mec, parce qu'il est tout seul, parce qu'il est con. Ah là, je te jure. Hop. Ces gens qui savent plus quoi faire pour se faire remarquer. Oh my goodness. J'adore le bruit que ça fait quand il marche. Genre, on dirait qu'il est en gelée. Donc, hop, vas-y que je te récupère. Merde. Que je te récupère. Et non, c'était pas comme ça qu'il fallait que je le fasse. Voilà. Hop. Tac. Une fois que t'as bien compris ça. Merde. Reviens là. Sale pute. Why, thank you. Après, c'est lui où je vais peut-être avoir un peu de mal. Je vais aller le choper depuis là-bas. Hein. Hop. Donc, j'espère que vous aurez pas trop de mal à saisir la mécanique. Hein, parce que. Ouais. Au début, c'est pas évident. Une fois que t'as compris, ça va, mais. Donc, du coup, je suppose que ouais, si je fais ça, ça va pas le faire. Donc, on va te faire descendre. On va refaire la même. Hop. Tac. Viens là. Et merde, je fais de la merde, je fais de la meuf. Tac. Tac. Voilà, jeu très très sympa. Une fois qu'on a bien saisi. Voilà, et qu'on fait pas de la merde comme moi aussi, si possible. Allez, mais marche un peu là. C'est quoi tous ces gens qui savent pas marcher? Sa place, elle est là-bas, mais rien à foutre. Ah non, c'est soit tu places les gens, soit tu les places pas. Est-ce que je t'emmerde? Hop. Moi, je me rappelle pas que dans un restaurant, on est placé comme ça, même. Je suis assez grande pour aller à ma place toute seule. Alors. Bon, faudrait pas que je termine le jeu quand même. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il termine. Hein. En général, j'essaie juste les mécaniques un petit peu. Ah! Merde. Et après, je me laisse surprendre. Comme vous. Oh, regardez son petit bras. En fait, ouais, ses bras, c'est des bras. C'est des bras en plastique, quoi. Clairement, il sait pas s'en servir, en fait.
On dirait presque qu'il se les ait épinglés en fait. Épinglés sur lui. En mode, hey, mais si, je suis humain, j'ai des bras. Yeah. J'arrête de dire des conneries là, il faudrait peut-être que je joue. Alors, hop. Voilà. Donc ouais, j'aimerais quand même éviter d'arriver au bout. J'aime bien vous laisser aussi un petit peu de surprise. Surprise, motherfucker. Pouf. Pouf, pouf, pouf. Bon, au moins les pics maintenant, ils sont faciles à passer. Hein. Voilà. Là, c'est fait. Hop. Tac, tac. Ouais, moi, je dis on s'arrête après celui-là. Hein. De toute façon, vous avez... Merde, vous avez vu un peu le concept, hein, ça, c'est suffisant. Putain, je suis con, il y a de la lotion juste là, et moi, je me casse le cul. Pour rien. Parce que j'aime ça. Hop. Tac. Hop. Petit nain, qu'est-ce que tu fous là-bas? Tu me fais grave chier. Tu me fais grave chier. Ta da ta ta da. Et maintenant, comment je vais t'emmener? J'ai peur de me prendre des pics. Ah, oui, bon, bah ça c'est une solution comme une autre. Hop. Tac. Voilà. Il a failli se les prendre hein, quand même. J'arrive, petit nain. Tac. Oui, bon, je fais de la merde, mais hop. Voilà. Merci mille fois. Merci mille fois. Rien que pour ces compliments sublimes, je te rendrai service un million de fois. Hop. Et voilà. Et voilà, on s'arrête là. Je ne sais pas du tout où on en est par rapport à la durée de vie du jeu. Hein. Ouais, c'est pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, les mouvements, c'est A et D. Bon, je le répète au cas où, voilà, enfin je le répète, c'était marqué dans le tutoriel, mais vous faites pas forcément gaffe, barre espace pour sauter, les flèches pour de bouger son corps. D'ailleurs mon corps ne peut pas bouger là parce que j'ai pas de lotion, hein. Et du coup la touche E pour se rembobiner en fait, se rétracter. C'est vraiment ça un délire que j'ai eu il y a pas longtemps sur une histoire de doigts. Imaginez si vos doigts pouvaient s'élargir à volonté. Qu'est-ce que vous feriez avec? Bref, je garde ce délire pour moi, vaut mieux. parce que c'est... Non, j'allais dire c'est juste dégueulasse, mais non. Non, voilà, je me tais. Mais stop, voilà, je ferme ce sujet. J'aurais jamais dû le commencer. Donc, on se retrouve bientôt pour... soit pour une présentation, soit pour un playthrough. Probablement plus un playthrough, je ne sais pas. Ça dépend ce que vous regardez, je ne sais pas. Bref, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un j'aime ou un commentaire. Ça me fait toujours plaisir, moi, en tout cas. Savoir si vous aimez ou pas. Je vais arrêter de faire ma désespérée. Non, je suis en train de trop parler, clairement. Digresser. Bref, j'ai d'autres jeux, ouais, de la Ludum Dare à vous présenter. Bon, s'ils sont jouables sous Windows, parce que je peux pas vous les enregistrer autrement, donc c'est dommage parce qu'il y a quelques jeux qui sont en HTML5 et donc je pourrais pas vous les montrer. Je vous mettrai peut-être un lien via Twitter pour vous les conseiller, je sais pas trop. Bref, en tout cas, bah comme d'hab, je vous mets là le lien dans la description. Vous pouvez aller jouer si vous voulez. Si vous voulez pas, bah tant pis pour vous. Hein. C'est que ça vous a pas plu et vous êtes déjà plus là. Voilà, non, je déconne, je dis rien. Bref, je vous fais des bisous. Voilà, hein, je vais fermer ma gueule. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.